Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. L'entrepreneuriat est actuellement au cœur des échanges au Gabon. Il faut notifier que le président de la transition, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, prône depuis son arrivée au pouvoir l'entrepreneuriat comme piste de solution au chômage. À cet égard, nous avons pu contacter Rodrigue Landou, le président du collectif des jeunes entrepreneurs de l'Ogoué Maritime, qui se trouve actuellement à Port-Gentil. Son collectif organise du 26 au 28 septembre 2024 le rendez-vous des jeunes entrepreneurs de l'Ogoué Maritime. Ravi de vous avoir en ligne pour ce numéro de l'invité du jour. Bonjour. Déjà, c'est moi qui vous remercie déjà, vous et votre équipe, pour m'avoir donné l'antenne. À l'entame, pensez-vous que l'entrepreneuriat est aujourd'hui une piste de solution au Gabon? Elle n'est pas une piste, mais elle est une solution majeure déjà. Elle est une solution majeure déjà pour lutter contre le chômage au Gabon. Le président de la République, son exemple d'auteur, Oligui Nguema, met un accent particulier déjà sur l'entrepreneuriat comme solution pour lutter contre le chômage. D'accord, le rendez-vous des jeunes entrepreneurs de l'Ogoué Maritime est un événement qui se tiendra du 26 au 28 septembre 2024, je le disais en prélude. Il s'agit ici d'un projet ambitieux, mais pour quels objectifs concrètement? Déjà, j'aimerais déjà un peu rappeler qu'il y aura un rendez-vous des jeunes entrepreneurs de l'Ogoué Maritime. C'est une initiative qui a été mise en place par l'association de la famille Pouman, qui est une association leader de la jeunesse dans l'Ogoué Maritime, dont je suis le coordinateur général. D'accord. Déjà, le but de cette initiative et de réduire le chômage chez les jeunes déjà. Déjà, le premier but, c'est ça, réduire le chômage chez les jeunes, parce qu'actuellement, à Port-Gentil, nous avons un taux de chômage chez les jeunes qui varie dans les 31%. D'accord? Donc, en même temps, réduire le chômage chez les jeunes et lutter déjà contre la délinquance juvénile. Parce qu'en même temps, il faut savoir que la délinquance juvénile, elle est élevée parce que nous avons un taux de jeunesse vraiment dans le chômage. Alors, vous êtes parti de 31% de chômage chez les jeunes et aussi d'une recrudescence de délinquants juvéniles pour aboutir à ce projet. Voilà, également. D'accord, très bien. Et qu'en est-il du programme durant ces trois jours du côté de Port-Gentil? Déjà, il faut déjà comprendre que le programme a commencé depuis, nous avons commencé depuis le début août. Déjà, ça s'est passé avec, ça a commencé avec un dépôt de dossier. Et après le dépôt de dossier, nous avons commencé avec des formations, nous avons gardé des formations, des ateliers animés par des inspecteurs à la mairie, par des formateurs déjà pour mettre déjà les jeunes dans cet engouement-là qu'est l'entrepreneuriat. Par contre, pas se lever un matin comme ça pour dire que tu vas entreprendre. Donc, nous avons d'abord mis l'esprit entrepreneur dans leur tête et je pense que nous avons, tout le mois, nous avons 4 formations durant le mois d'août. Et voilà. De quoi s'agissait-il exactement, ces ateliers de formation? Qu'est-ce qui était présenté concrètement? Déjà, nous avons les formations sur le leadership, sur la gestion d'entreprise et sur la gestion du capital. C'était ça vraiment ces trois. Maintenant, après, également, il faut comprendre que nous aurons, parce que le 26 au 27, c'est des ateliers animés spécialement par l'ANPI que nous avons sollicité pour nous accompagner. Voilà, c'est des ateliers qui seront animés par l'ANPI et également par des chefs d'entreprise qui viendront nous passer leurs conseils. Parce qu'également, il faut savoir que nous avons sollicité nombreux d'entreprises dans le gouvernement maritime qui ont bien voulu nous accompagner, également les ministères du commerce qui ont bien voulu nous accompagner à aider les jeunes. Parce que le thème ici, c'est comment accompagner les jeunes. On nous promet, mais c'est un thème qui parle beaucoup, comment accompagner les jeunes. Donc, nous avons pris administration, coaching, leadership, en même temps aussi les finances. Très bien. Nous savons que des ateliers de formation se sont tenus en août dernier, vous en parliez tout à l'heure. Quels sont, dites-nous, les résultats escomptés au terme de ces ateliers? Qu'est-ce que vous voulez obtenir chez ces jeunes Port-Gentillais? Déjà, ce que nous voulons obtenir, il faut avoir une jeunesse responsable, motivée. Très bien. Parce qu'il faut, voilà, il faut être responsable, motivé et engagé. Et avoir l'envie de vouloir changer. Voilà, c'est ça. Si vous avez l'envie de changer, je pense que ça peut créer beaucoup de choses en soi. Donc, nous avons pu déjà les inculquer ça. Aujourd'hui, déjà, comme je vous disais, nous avons commencé par un forum WhatsApp. Là, on était peut-être à 5-7. Aujourd'hui, nous sommes à près de 1000. On refuse même de faire la durée des gens. Ça veut dire que la jeunesse, ils ont vu le prototype, en fait, l'obligation qu'il faut vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat. Nous sommes à plus de 1000. Comme nous sommes les rassemblements, il y a plus de 1000 jeunes qui viennent écouter, rien que pour écouter, même pas pour les financements. Donc, ça veut dire que les jeunes ont déjà la volonté. Maintenant, il faut
et nous essayons juste de leur accompagner avec tous les mécanismes qu'il faut. C'est très bien. Alors, pour rester sur ces ateliers, quels sont les critères de sélection qui ont retenu votre attention? Dans cette initiative, nous avons exclu personne. Nous avons pris ceux-là qui ont déjà d'activités, qui ont besoin de renforcement de capital. On a aussi repéré ceux-là qui veulent se lancer, mais c'est compliqué. Et il y a aussi ceux-là aussi qui sont dans les formels. En fait, ils entreprennent déjà, mais ils sont dans les formels. Donc, il y a tous ces cas-là. Mais déjà, dans tout ça-là, la première des élections, c'est l'employabilité. Il faut que ton activité plus former un jeune ou bien créer 2 ou 3 emplois. C'est ça le principal critère de sélection. D'accord. Alors, parlons entrepreneuriat et employabilité. Comment accompagner les jeunes Port-Gentillais aujourd'hui à relever les défis de l'entrepreneuriat et de l'auto-employabilité dans cette ville de Logoué-Maritime? Déjà, comme nous avons si bien commencé par les formations, la sensibilisation déjà, et également le coaching. Voilà, d'accord. Le coaching et l'accompagnement. Également, aussi, nous aurons aussi l'autonomisation. Déjà, il faut comprendre qu'ici, dans l'accompagnement, le côté n'est pas trop les finances. Hein, le côté n'est pas trop les finances, mais l'administration, en fait. L'administration. Aujourd'hui, nous voyons tous, le chef de l'État, le général de brigade, le docteur Lingema, a mis en place des mécanismes pour accompagner les jeunes entreprendre. Je me rappelle de son discours, je pense à Alain Barané, il disait aux jeunes que si un jeune fait rentrer un taxi, on l'exonère de tous les prix de douane. Exemple, d'accord? Aujourd'hui, je pense que du côté du commerce, ça a été fait par l'NPI qui a essayé de baisser le prix des agréments via le chef de l'État, mais c'est pas tout. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas que l'NPI, je pense que c'est pas l'agrément, il n'y a pas que l'agrément pour bien commerce. C'est juste un papier sur 7 ou sur 8. Nous avons le commerce, nous avons la mairie, mais comment accompagner? Oui, l'accompagnement, ça veut dire quoi? Il faut essayer de voir comment soit exonérer encore le taxe ou bien essayer de baisser les prix totalement pour pouvoir accompagner ce jeune-là. Parce qu'aujourd'hui, le jeune gabonais, il a une tendance à faire. Parce qu'un jeune, quand il a un magasin, une activité, quand il voit la mairie ou la DST, il ferme le magasin comme si c'était un étranger. Exactement. Alors que ce n'est pas possible. Parce que là, voilà, vous êtes dans votre pays, je suis dans votre pays, tu ne peux pas fouiller. Donc, il y a des moyens qui ont été mis par encore qu'il faudrait leur inculquer cette mentalité-là. C'est parce que peut-être ils ont été habitués à voir aussi ces commerçants fuir à la vue de la mairie. Voilà, c'est un manque de communication. J'ai dû échanger récemment avec la directrice générale du commerce, nous avons échangé. Il y a des mécaniques qui sont mis en place, mais les administrations concernées ne communiquent pas. Aujourd'hui, il y a Facebook qui communique, il fait de communiquer. Il y a beaucoup de choses que les jeunes ne savent pas. Donc d'accord. Voilà, nous avons cette peur-là, pourquoi nous avons invité, nous avons mis, vous voyez, dans notre annonce, nous avons mis tous les ministères concernés pour pouvoir venir expliquer aux jeunes les mécaniques qui sont mises en place pour accompagner les jeunes à relever le défi de l'entrepreneuriat. C'est vraiment surtout le côté administratif, c'est très important à voir. Très bien, on parle d'employabilité, mais aujourd'hui, quels sont réellement les défis que les jeunes entrepreneurs peuvent rencontrer sur le territoire national? Déjà, il faut comprendre que nous avons un souci avec l'obtention de l'agrément PME-PMI. C'est un agrément qui est compliqué à avoir déjà. C'est la première chose déjà que je pense que le gouvernement en place doit avoir pour déjà flexibiliser ça, pour l'acquisition. Okay, pour qu'un jeune gabonais, ça imprime des documents, ça peut durer pour des 3, 4, 5 ans. Voilà, vous foncez de ma tête avec un petit reçu, ce n'était pas possible. Et également, il faut, je pense que pour ceux-là qui ont fait un peu de lycée technique, de l'ISFP et tout ça, il y a un niveau scolaire adapté pour rentrer dans un centre professionnel pour apprendre peut-être la mécanique ou la soudure. Maintenant, aujourd'hui, on a des jeunes dans les quartiers qui ont des ateliers de soudure, de mécanique. D'accord. Mais ceux-là, ils peuvent former ceux-là qui n'ont pas un niveau intellectuel peut-être élevé, qui ont peut-être un niveau CM2, on peut les former là, dans le tas, et apprendre mieux. Mais pour que lui puisse former, il faut qu'il puisse être accompagné avec du matériel. Parce que, également, si moi, je n'ai qu'une caisse à outils, je vais aller en dépannage, je ne peux pas me permettre d'embaucher 2 personnes. Mais quand je ne pas en dépannage, je ne travaille pas, il reste comme ça. Oui. Tu vois un peu. Oui. Donc, il faut qu'on essaye de voir tous ces points-là. Déjà, aider ces jeunes-là. Voilà, pour aider ces jeunes-là qui ont déjà, exemple, un soudeur, il a un jeune gabonais, il a son atelier, il a tout et tout. C'est mettre en place des moyens, des mécanismes pour que lui, il puisse former et employer des jeunes gabonais, en fait. Ils sont à 2, je pense que si on met du matériel et tout ce qu'il faut, il peut encore prendre 2 et ça fera 4. En fait, c'est ça. Il faut que nous mettons vraiment un accent là-dessus. D'accord. Alors, en dehors de l'agrément, est-ce qu'il y a d'autres défis que les jeunes entrepreneurs rencontrent au Gabon? Il y a plein. Dites-nous. Déjà, nous avons
en dehors de l'agrément, nous avons, je pense, les quittances. Il y a la quittance. Il y a, comment on appelle, il y a les fils sur puits. Il y a la DGCC qui est d'ailleurs... En fait, il y a tout ce qui est administratif. On a du mal à acquérir ces documents-là. Voilà. En fait, c'est pas qu'ils sont peut-être compliqués, mais il n'y a pas de communication là-dessus. D'accord. Je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un peut s'élever. En fait, aujourd'hui, moi, je lui ai échangé avec le directeur provincial du commerce, c'était ici également le Comité maritime. Nous l'avons mis en place, cette problématique-là, sur notre dernier panel de formation. Il nous a expliqué qu'il y a... Il y a le statut de l'entrepreneur. Il coûte pratiquement 20 000. Mais aucun, il n'y a pas de jeunes qui savent. En fait, quand vous avez ce statut-là, ça vous permet de ne pas en fait, payer des taxes. Vous allez payer des 1 000 francs toujours à la maison. Vous avez ça, donc d'être tranquille. Ça vous permet de faire des économies. Mais je pense que beaucoup de jeunes ne savent pas. Il y a un manque de communication alors. Dans ce cas, vous, en tant que président du collectif des jeunes entrepreneurs de Logoué Maritime, quel est votre plaidoyer pour emmener justement cette jeunesse à entreprendre et surtout à être accompagnée? Déjà, mon point de plaidoyer, c'est que je remercie le chef de l'État déjà d'avoir mis déjà en place la banque des entrepreneurs. La BSEG, oui. Voilà, je pense qu'elle ne suffit pas parce qu'elle serait bénéficiaire et à ceux-là qui sont entrepreneurs aguerris, c'est mettre en place des moyens financiers là pour aider ces jeunes-là, première chose, et mettre en place des formations, de coaching et un suivi. D'accord. Alors, en quelques secondes, comment concluez-vous par rapport au rendez-vous des jeunes entrepreneurs de Logoué Maritime? En quelques secondes. J'invite déjà les ministères, le ministère de la Jeunesse, le ministère du Commerce et le chef de l'État à vraiment soutenir la jeunesse de Logoué Maritime dans cette initiative pour laquelle rendez-vous des jeunes entrepreneurs de Logoué Maritime. Alors, c'est ainsi que s'achève ce numéro de l'invité du jour. Le monde de l'entrepreneuriat s'ouvre aux jeunes Gabonais. Nous en parlions avec Rodrigue Landou, le président du collectif des jeunes entrepreneurs de Logoué Maritime, qui, grâce à son collectif, organise du 26 au 28 septembre 2024 le rendez-vous des jeunes entrepreneurs de Logoué Maritime. Sur ce, on se dit à très vite. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite au programme sur Gabon 24.